Moi j'aime bien le côté artisanal, fait à l'arrache. C'est pour ça qu'il y a des problèmes de son, d'image, de tout ça. Je fais très peu de... Je fais pas forcément de prise en fait. T'imagines, ça doit être la vision du chien quand il me regarde. Un petit côté brut aussi, c'est ça qui permet le côté immersif. Ça c'est un angle de vue que j'ai jamais utilisé. La vidéo de ce soir est carrément une mise en abîme. Très souvent, j'ai pas forcément de sujet. Je sais pas trop de quoi je vais parler. Et y a un truc qui se passe. Ouais, c'est trop bizarre, on vient de croiser une dame. Elle nous a regardé méfiant, tu vois. Et en fait, elle est partie en courant. Je vous jure, elle est partie en courant. Peut-être qu'avec mon chien, on lui fait peur. Moi, je suis la racaille de Porana. Dans sa poussie, elle crie fort comme si on était 13. Poto, t'as aucun flow. Les trois quarts du temps, c'est toujours un petit peu improvisé. Là, j'arrive près du bistrot. Le bistrot de Cadouarn. J'y passe de temps en temps. Je m'arrêterai bien pour boire un petit coup avec mes potes. En fait, j'ai pas envie d'y aller. Parce que je promène le chien. Et en plus, j'ai pas de potes. Je suis une espèce de créatif approximatif. Orienté vers le pourrave. Et le pourrave, il est sincère. C'est ce qui compte. Encore du super dry. Agar, ressaisis-toi. Wow.